Coucou tout le monde, c'est Jadidrim, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un tout nouvel épisode de Victoria. Et j'espère que vous aurez vu l'épisode précédent, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas vu. Vous avez le lien dans le petit en haut à droite sur cette vidéo. Je reçois toujours des... Enfin, du moins, Victoria, moi pas, reçoit toujours des messages de fans. Je vois que Victoria, en plus, elle a la dalle, enfin... elle a son contrat pour son nouveau rôle dans une donc avant tout dans la mer morte qui débute à 9h donc voilà en plus bon, c'est pas top là elle se sent un petit peu seule donc ce qu'on va faire je pense qu'on ira se brosser les dents tiens parce que ça lui donner confiance de se brosser les dents peut-être je ne sais pas ouais mais elle est triste parce que ouais elle est triste hein, purée bon c'est pas grave de toute façon nous on va aller avec elle rejoindre on va aller avec elle et voir un petit peu ce qu'on peut faire. J'espère juste que ça ne sera pas la même chose qu'il y a deux épisodes. J'espère que ça sera un rôle comme un peu différent, ça pourrait être bien, ça pourrait être cool. Mais maintenant je pense que c'est un truc à faire et j'ai cru un vampire, donc j'espère vraiment que ça sera différent quand même. Mais bon, dans un premier temps on va voir pour manger un petit bout, parler un petit peu avec des gens. Bon, donc on va se bouffer un petit bout, hop, prendre une part, voilà. Ensuite, se faire maquiller pour le contrat, mettre le costume pour le contrat, hop, on va faire la petite liste des choses, s'entraîner à jouer, et ensuite faire un post pour Simstagram. Voilà, donc on va essayer notre poulette maintenant, qui va se manger sa petite part de pizza, tu m'étonnes, elle a la dalle. Ah, tu vas manger en faisant ma... Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Angeleuse, mais qu'est-ce que... Ah oui, mais oui, j'avais oublié qu'on avait le truc. Donc au niveau des livres, on gagne pas grand-chose. On gagne rien du tout, en fait. Non, je sais pas si ça nous a fait grimper un petit peu en notoriété, je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, j'espère que ce rôle-ci va vraiment bien nous aider. Ah, super, on a déjà bien mangé, ça c'est cool. Allez, donc, quelle tête est-ce qu'on va avoir? Fais-moi une belle tête, s'il te plaît. Un beau make-up, un beau... Je veux un beau rôle. Enfin, être joli dans mon personnage. J'ai peur quand même, hein, je vous avoue. Ah, mais c'est comme la fois passée. Ouais, je sens que ça va être comme la fois passée. Oh, pitié, non. Enfin bon, c'est beau quand même, hein. Voilà, mettre le costume. Dans le même costume, je pense, à mon avis, ça ne serait pas... Ça serait pas Non, c'est pas le bon. Hein? Mais c'est pas bon. C'est pas juste. C'est pas le bon costume. J'ai pas l'air d'une pirate comme ça. Voilà, purée quoi. Je vous jure, bon. Voilà. La story est postée. On va un petit peu s'entraîner. Avec qui est-ce que je pouvais parler, tiens? Ah, c'est ma co-vedette! Co-vedette aussi. Oh, t'es super mignon, toi! On est commencé à passer la journée un petit peu être... Ah, être drôle sur le plateau! Faut que je sois drôle. Faut que je sois... Je sais plus parler. Quand il y a une histoire drôle, voilà, hop. Passion amusante, on va essayer d'être drôle avec les gens. Ah, nice. Mais tais-toi, monsieur, tu chantes faux. C'est quoi ça? Et j'espère que tu as fermé ta bouche durant le tournage, hein. C'est qui, toi? Cadreur. Ah bah, il a raté sa vocation, celui-là. Bon. Mange encore un petit bout. Bon, ok, mange la première portion. Voilà, comme ça on sera vraiment bien à fond.
et donc dire au réalisateur qu'on peut commencer le tournage. Donc tchouk tchouk tchouk. Voilà, et donc on va commencer ça. Voilà, donc. Tchouk tchouk tchouk, où dirige le bateau? Voilà, on va faire tout en risqué, hein. Parce que je me dis qu'en risqué, ça sera mieux. Allez, hop. J'ai l'impression que ça sera la même chose. Vas-y, fais-nous un truc bien. Nice. Jouer la scène de drague. Flirter risqué. Allez. Elle joue quand même bien. Ok, super, et hop, combattre les pires, c'est risqué. Bon, elle a ses 3 points quand même en truc, hein. Elle a même un petit peu dépassé, donc voilà. Maintenant, c'est qu'elle est un peu en état triste, mais bon, allez, il y a moyen que ça fonctionne, hein. Allez, vas-y, en garde. Oh, mais cette classe, quoi. Et jouer la scène de la morceau de... Ouais, non, c'est vraiment la même chose, en fait. C'est vraiment la même chose, c'est un peu dommage que ça soit le même. Enfin, je sais pas, ils auraient pu mettre autre chose, genre tricler les canons ou je sais pas quoi, ou danser sur les tonneaux, enfin, je sais pas, je me dis. Mon dieu, par contre, la blonde, elle joue, mais trop bien le rôle. Alors là, on est dans un rôle. Nickel chrome, quoi. Bon, bah voilà, ça c'est super, on a fini le contrat. Par contre, elle a pas l'air en super forme. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être parler avec lui, avec elle, peut-être? Demander conseil, peut-être, on va peut-être un peu discuter, voilà. Hop. Donc, Victor a obtenu le niveau or. C'est dans la boîte, Victor a terminé toutes ses scènes. L'équipe s'apprête à partir. Et les séquences vont être envoyées au montage. Argent gagné 1300 simflouz et notoriété gagnée 2 étoiles. Enfin, deux petits sur notoriété. Ok, bah écoute, on va rentrer chez nous. On va un peu voir ce que ça donne en fait. Est-ce qu'on aurait peut-être des. Oh, peut-être qu'on pourra acheter quelque chose, une nouvelle récompense. Je ne sais plus. Peut-être. Je vais regarder si on a. Hop. Si on a. Oh, on a quand même bien grimpé. 1-0. Ah, ok, je suppose qu'il faut qu'on grimpe là pour avoir des points. Moins que s'il y ait un bug, je sais pas, vous me direz en commentaire. Bon bah écoutez, ça c'est déjà bien. Est-ce que... Voilà, peut-être téléphoner... Y a pas un truc qui peut se passer là, une... Oh, tous les gens qui envoient des SMS à chaque fois, ça les sauvegarde là. C'est super relou. Discuter un peu avec Vanessa, peut-être. Voilà. Et là. Mais qu'est-ce que je fais dehors? C'est quoi ce trip? Ah, c'est à cause de... Ah, parce qu'elle a peur de l'orage. Ok, d'accord. Y'a qui d'autre qui je peux sonner dans mes amis? J'ai qui comme ami? Oh, le père hiver! Allez, hop, t'es mon pote. T'es mon pote. Miko aussi, on se sentait bien avec. Je regarde un peu. Ah, collègue, elle est collègue. C'est une de nos collègues. Hop, discuter aussi, voilà. J'ai un peu grimpé sa jauge de social parce que là, ça devient un peu compliqué pour elle. Votre performance était acceptable. Ok, bah. Par contre, on n'aura pas de nomination pour les trucs là, du coup. Oh, par contre, on a plein de sous. C'est trop bien. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre truc? Oh, je vais réécrire un livre. Je vais réécrire un livre. On va bien bourriner ça aussi. Non, j'ai pas envie. Poésie. Ça donne la poésie.
La pureté des poèmes dépasse celle des arbres. Allez, ça c'est un titre très profond quand même. Bon, par contre, je pense qu'on fera vite un nouveau contrat parce que c'est vrai que j'ai pas envie de poireauter. Voilà, on regardera ça après. Hop. Donc, ah, bestiole du vide. Oh, il y a juste deux pubs. Outil à distance ou bestiole du vide. Bah écoute, on n'a pas encore fait ça. Niveau 2 de la confiance fitness. Donc, qu'est-ce que c'est? La recherche d'une personnalité joyeuse et fantaisiste pour le rôle de Vulp. Le nouveau album des Bestioles du Vide est rempli de mille et un morceaux répétitifs qui restent dans la tête. Vulp et ses amis de Forêt Mauve vous jouent toutes leurs chansons traditionnelles comme... Bon écoute, on va faire ça. Je pense que ça pourrait être bien. On est jeudi, donc le lendemain, ouais, c'est pour le vendredi, la truc, ok. Compétence fitness niveau 2, ok, c'est bon, on l'a. On est tranquille. Je pense qu'on va même tenter tout en risqué quand on y sera. Je pense que c'est le mieux. Cachet médian, c'est quoi ça? La promotion star de sitcom, ok. D'accord. Et je me demandais un truc, est-ce que je ne ferais peut-être pas autre chose? Oui, bien que c'est vrai que je me dis peut-être faire de la musique en plus, mais c'est vrai qu'elle a quand même déjà ses romans à écrire. Donc c'est déjà, ouais, suffisant, je pense. C'est simplement suffisant. Par contre, j'espère qu'on va gagner un petit peu plus et que ça va nous faire gagner un petit peu de notoriété. Je me demande si justement le roman qu'on va écrire ne va pas remplir le petit tchouk, la petite étoile qui reste. Ça pourrait vraiment être trop bien. Qu'on puisse acheter enfin un nouveau truc. Un nouvel avantage, ça pourrait être bien. Allez, vas-y. Pond-nous un roman. Ah, voilà, super. Hop. Publie-le. Faire pipi, ok, tout va bien. Ouais, bon, c'est pas... Ça fait gagner un petit peu des points, mais c'est pas encore ça. Allez, 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 y a moyen. Vas-y. Premier truc sur Instagram, enfin sur Simstagram. Ouais. Et re les amis, donc notre petite Victoria a réussi son audition, donc je trouve ça assez cool. Je lui ai acheté un petit chevalet parce que j'en avais un petit peu marre. Enfin, j'avais envie qu'elle fasse quelque chose quand même en plus que des livres qui sont un petit peu variés. Par contre, je me suis rendu compte que ses chaises étaient pas tip top. Donc quand elle est dessus, j'ai vu qu'il y avait le truc qui se mettait mal assise, donc du coup... Je vais simplement vendre ces chaises dessus parce qu'elles sont pas top. Et voir si je peux pas avoir d'autres chaises qui sont quand même mieux. Confort, que je regarde un petit peu. Confort 4, ça, elles sont pas mal. Chaise de salle à manger, repas rétro. Celles-ci sont quand même mieux. Je sais plus lesquelles j'avais mises en fait. Ah ouais, là c'était confort... Ouais, confort 1, là maintenant c'est confort 4, à moins que je mette celle-ci en confort 7. J'en mets 4, ça va me coûter quand même cher un petit peu quand même. Bon, je vais mettre celle-là, on mettra d'autres après. Hop. Et voilà, comme ça au moins, notre petite Victoria sera beaucoup mieux installée. Donc voilà, un truc qui est assez cool, c'est que donc j'ai vu que je prenais également en autorité quand je faisais des toiles. Je trouve ça assez chouette, je vais vous montrer. Bien que vous avez peut-être sûrement déjà vu sur d'autres chaînes. Mais voilà, au moins on gagne un petit peu d'argent, on gagne un petit peu d'autorité, je trouve ça d'ailleurs plus rapide de gagner des sous comme ça. Il dit qu'il y avait une super fête en boîte de nuit en ce moment même, ça dit d'y aller. Oh bah écoute, ok, on y va, allez, ça nous change un petit peu les idées de ce qu'on fait habituellement. Peut-être qu'on verra les fans peut-être, peut-être que nous allons rencontrer l'amour, ça pourrait être bien. J'aimerais bien qu'elle ait un petit copain, ça pourrait être cool, j'aimerais bien ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça serait une bonne idée qu'elle ait un petit amoureux, un petit chéri. Je ne sais pas, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça nous propose. Ah super, il neige. Super, bon. Bah écoute, rentre à l'intérieur. Allez ici ensemble. Par contre, je t'en conjure, change-toi. Hop, voilà, mets ta tenue, mets une tenue... de tenue, on va mettre ta tenue de tous les jours, elle est très belle. Très bien comme ça. Voilà. Danser ensemble. Oui, voilà, on va danser avec Vanessa. Peut-être prendre peut-être un petit peu des points de danse en même temps, comme ça pourrait peut-être bien. Je sais pas s'il y a.
C'est quoi, c'est ton autotune? Très bizarre. Donc, je sais pas si j'aurais besoin de points de danse pour un contrat, mais bon, ça peut nous aider, ça peut être bien. Ah mon dieu, quel style. Quel style. Donnez des astuces sans réparation, allez. Ça va faire grimper nos points de notoriété. Qu'est-ce qu'elle est, hein? EBT, brume mystique, raison émotion du public influencée par le DJ. Avec cette musique, vos Sims ne verront plus que les lasers. Ok, d'accord. Elle est dans les choux. Tout va bien. Bonjour, j'ai pris de la drogue, tout va bien. Ah bah, on va faire ça aussi, écoutez. J'aimerais bien voir mon étoile, là. Je suis presque. Hop, voilà, si je fais ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, discute pas comme ça. Joue une scène d'amour. Arrête de danser. Arrête de danser. Voilà. Ah bon, d'accord, elle veut pas. Oh mon dieu, elle a gagné encore des followers, c'est très bien. Mon dieu, elle est enjôleuse. Ok, tout va bien. Allez, donne-moi mon étoile. Mon étoile. Je veux mon étoile. Qu'est-ce qu'il a? Saluer. Ok. Oh mon dieu, tous les pourboires que j'ai. Trop bien. Est-ce que je peux gagner encore un peu plus en notoriété en faisant quelque chose avec elle ou quoi? Bon, je vais pas rejouer la scène d'amour, on s'en fout. Vraiment, c'est bon quoi. Oh. Et attendez, je crois que c'est... Non, c'est pas lui. J'ai confondu avec un autre Sims qui, lui, m'a un petit peu... m'a envoyé un SMS qui était pas gentil. Ah, mais on a l'autre star là. Tiens, on va voir si le mode fonctionne ou pas. De se présenter, allez. Maintenant que t'es un peu plus célèbre, allez, s'il te plaît. Non, ça ne passe. Bon, décidément, ça passe toujours pas. Ça ne passe toujours pas. Demander une accolade. Ça fonctionnera peut-être. Ah là, y'a un paparazzi, je peux peut-être faire un truc. Présentation amicale, allez. Elle me prend en photo moi ou... Ouais, on dirait que c'est moi qu'elle prend en photo. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, non, laisse tomber. Laisse tomber. Y a pas des gars un peu mignons ici? Ouais, j'ai quelqu'un. Bon, lui, très vite, c'est bon, qu'on s'en fout. Un gars un petit peu connu, ça pourrait être bien. Il y avait pas ça dans nos trucs, là? Dans nos contacts? Au niveau des gars qu'on connaît. Non, pas lui. Il y avait le blond, là, qui était mignon, là. Bon, c'est pas grave, je le retrouve pas, tant pis, c'est pas grave. Ah oui, mais si je fais ça. Ah non, mais non, ils sont tous moches. Bon, t'as celui-là qui est pas mal, mais pff, laisse tomber. Bon, bah mec, un jour je m'en fous, j'aurai une plus grande star que toi. Nah, voilà. Bon, bien, écoutez, je pense que c'est sur cette dépression de notre chère petite... Victoria, que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire,
le petit abonnement si vous venez me découvrir, le petit soutien aussi sur YouTube, c'est super important. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et restez vous-même. Ciao, ciao.